Eh bien bonjour les amis, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, je vais vous présenter Corinne. Corinne qui est membre du programme Je change mon corps qui vient de terminer. Et Corinne eh bien, va se présenter, va vous expliquer son expérience qu'elle a eue sur ce programme d'entraînement. Corinne, c'est à toi. Bonjour Corinne. Bonjour Sébastien, eh bien, écoute, ravi de te voir. Oui, alors j'ai 54 ans. Et puis j'ai pris depuis quelques années des kilos qui se sont accumulés. Alors c'est insidieux, si on ne monte pas régulièrement sur la balance, on en prend 1, 2, 3, 4. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ce n'était plus possible parce que j'étais arrivée à vraiment être en surpoids. Et donc j'ai vu ta communication sur Facebook et je me suis dit cet été, c'était le moment. Ça m'a fait tilt, je change mon corps. J'ai aussi un objectif parce que je veux marier l'année prochaine. Félicitations. Voilà. Et donc pour moi, c'était de se dire, écoute, de perdre mes kilos superflus, même si j'avais beaucoup de mal jusque-là. Et grâce au programme, j'ai perdu 6 kilos. Félicitations. Alors je m'étais fixé un objectif. Voilà, je suis contente parce que en fait, je n'arrivais même pas à en perdre un. Ouais, c'est ça. Je disais, c'est l'âge. C'est qu'au début, tu n'arrivais plus à perdre du poids. Tu prenais tout le temps du poids et tu avais un processus Non, où ça montait, ça même montait. pas un kilo. Tu n'arrivais pas à perdre du poids. Voilà, ou ça montait, ou alors ça ne bougeait pas d'un gramme. C'est-à-dire que même si je faisais attention, mais en fait, je pense que je faisais attention, mais pas. À la fois pas dans le temps et puis je me suis remise au sport régulièrement parce que je fais du yoga mais je faisais qu'une fois par semaine et clairement le cardio et tous les entraînements c'est ça que j'aime bien si tu veux c'est varié donc je m'ennuie jamais donc c'est un premier palier voilà et donc je veux continuer. Donc voilà Corinne, l'idée c'est que toi tu étais en processus où avant qu'on… Déjà on se connaissait d'avant, hein, Oui, on c'est avait déjà, vrai. on Ouais. avait déjà travaillé ensemble pendant, Exactement. pendant quelques années, on s'était un petit peu perdu de vue et le fait que je lance ce programme, eh bien, tu as adhéré tout de suite, ça c'est très bien. Et toi tu étais dans un processus où tu n'arrivais plus du tout à perdre du poids, hein, c'est ce qu'on disait. Et là le fait de te reprendre en main, le fait de suivre le programme, qu'est-ce que tu as pensé des séances vidéo? Ah bah c'est génial. Parce que je peux les regarder quand je veux et surtout ce que je disais juste avant, c'est que je trouve que c'est varié. Le problème, c'est quand tu fais toujours la même chose, tu te dis, oh, je vais encore faire ci, encore faire ça. Et là, c'est varié, ça fait travailler toutes les parties du corps. Et franchement, j'aime bien. Parce que, voilà, franchement, c'est varié. Je peux faire ça sur mon téléphone, ma tablette, l'ordinateur, choisir mon moment. Moi, pour moi, c'est plutôt le matin. C'était plutôt le matin. Moi, c'était plutôt le matin. Ouais, j'aimais bien ton rythme le matin, ouais. Le matin, je me lève une demi-heure plus tôt. Et comme ça après j'attaque la douche, petit déj et ma journée. Donc franchement c'est simple et ce que j'aime particulièrement alors, voilà, c'est que j'ai l'impression que tu es comme une petite souris parce que il y a des moments où on a des petites baisses de régime pendant le cours et mon autre c'était là à nous booster et ça j'apprécie beaucoup que même si c'est en replay c'est comme si c'était en live. Ouais, mais c'est comme si, ouais. Voilà, c'est comme si, et tu sais à peu près les moments où on peut avoir des petites baisses de régime. Et là, tu dis, je lâche rien, je trouve que c'est le focus, je hein. change mon corps et je lâche rien, je trouve que Ouais. c'est exactement ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé des séances de coaching quand on s'appelait? C'est très bien parce qu'en fait, je dirais, c'est imparable, c'est-à-dire que il faut faire le point, pour moi, c'est le vendredi midi, faire le point où est-ce qu'on en est, et ça met je suis obligée, enfin, je te dis exactement ce qui s'est passé, Ouais. Bien, moins bien, et tu boostes aussi à chaque fois que je raccroche, je me sens aussi boostée si jamais j'ai une petite baisse ou si j'ai fait des petites entorses, et ben ça, je trouve que ce coaching est pour moi indispensable. Mais c'est vrai que tu as C'est tout le pour temps ça été que je motivé, parle. Corinne. Tu as tout le temps été motivé, même des moments où je me souviens où tu as eu des petits soucis au niveau de ton pied, tout ça. Tu as tout le temps été motivé et ça, je te félicite parce que c'est vraiment bien de suivre le programme, d'être motivé comme ça. Et c'est comme ça qu'on réussit de toute manière. C'est la motivation. Si tu n'es pas motivé, si tu as une baisse de régime, si tu ne suis pas, ça ne marche pas. Et tu vois, déjà, il y a un grand pas parce que tu as arrêté de perdre du poids et après, c'est descendu étape par étape. Et là, c'est génial. Donc, c'est super.
Et donc voilà, donc c'est vrai que le fait de suivre le fait de suivre les séances d'entraînement et l'alimentation, est-ce que c'était dur l'alimentation pour toi? Alors, pas du tout au début, pas les premiers mois. Après, il y a des moments où oui, parce que bah, quand tu as des invitations, du monde. Donc, du coup, si tu veux, j'ai un petit peu plus mangé le week-end et puis je rattrapais la semaine. Donc, c'est pour ça que ça s'est un peu équilibré et que du coup, bah, voilà, j'ai peut-être moins perdu que ce que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me remettre à fond, même si la période n'aide pas, mais on a justement, il y aura Noël. Donc, il ne faut pas lâcher avant. Sinon, si c'est pour prendre tous mes kilos et d'avoir fait tous ces efforts Ben oui, c'est pour sûr. plusieurs mois, ce serait dommage. C'est clair. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Corinne? Ce que tu penses du programme? Est-ce que tu le conseillerais? Est-ce que tu... Ah Voilà. oui, clairement. Vraiment, c'est vrai qu'on peut être sceptique sur un programme en ligne. Et réellement, moi, enfin, moi je ne l'étais pas. Alors, c'est vrai que je te connais, je On se sais comment connaissait tu déjà. fonctionnes. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui ne te connaît pas, moi, je me dis, ça vaut le coup d'essayer. Parce que vraiment, c'est surprenant. Je dis, on choisit son moment. Donc, parfois, quand on va en salle ou autre, bah, on se dit, on a la réunion si, on se trouve des excuses, etc. Là, on choisit son moment où on peut être dispo pendant ces 30 minutes. Ce n'est pas non plus 1 heure, c'est 30 minutes à trouver son moment dans la journée et puis, ou dans la semaine. Parce que voilà, on peut se faire son programme pour la semaine. Ou se dire si on n'a pas pu pour X raison un jour, bah, c'est pas grave, on le fait le lendemain. Et tu cumules aussi avec des sorties et des petits challenges. Ouais, Donc ça, ça a motivé, ça ça, les attend. challenges, hein. Ça t'a C'est aussi motivé, ça. motivant. Ouais, c'est Ouais. aussi motivant, exactement. Voilà. Bon, ben, c'est bien, Corinne. En tout cas, je te remercie. Ben, Ouais. l'aventure, je crois, va continuer pour toi. Oui. Et ben, voilà, les amis, c'était le témoignage de Corinne. Corinne a 55 ans, elle a réussi à perdre 6 kilos, elle était À motivée pendant... 54, ne vieillis pas d'un 54, pardon. Elle a 54, 54 ans, elle a D'accord. réussi à perdre 6 kilos en espace de 90 jours. Elle était motivée, tout le temps positive. Corinne, c'est un exemple. Si vous regardez cette vidéo, Corinne est tout le temps positive. Et ça, c'est vraiment super important. Si vous voulez avoir une transformation physique, regardez la vidéo de Corinne. Et c'est vrai qu'elle est tout le temps positive, même des moments un peu plus difficiles. Et non, elle y va, elle fonce. Et félicitations, Corinne. Merci Sébastien. Et puis, bah, on continue. Voilà. Voilà, Il y a un je objectif. vous souhaite une bonne journée à tous. À Au bientôt. Ciao, ciao. revoir.